ces deux jeunes gens qui s'exercent au fusil et au pistolet sur leurs voisins parisiens ne sont pas des tueurs professionnels, mais deux auteurs de romans policiers. Deux jeunes auteurs qui ont fait leurs premières armes avec Crime Chantilly. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt le faire plus tôt, comme ça, commencer l'action beaucoup plus tôt? Tout de suite, alors? Oui. Ben, voilà la première page, dire comme il venait d'être assassiné, ce n'est pas la peine de continuer à essayer de le revoir. Pierre Marsay, Francis Lacombrade, comment avez-vous eu l'idée d'écrire des romans policiers? Ben écoutez, c'est difficile de vous dire précisément. Enfin, il n'y en a pas un jour, on ne s'est pas rencontré en disant « Tiens, aujourd'hui, on va écrire un roman policier ». Je crois qu'il faut un tout petit peu nous situer. Lacombrade et moi, on a déjà écrit, on écrit des pièces de théâtre, qui des adaptations, qui des nouvelles. Alors, pour les pièces de théâtre et les adaptations, même pour la télévision, vous savez, c'est toujours très bien, on a beaucoup d'enthousiasme, on dit « C'est merveilleux, on va jouer votre pièce », mais c'est assez long. Alors, que faire de ce bel enthousiasme? Il faut en profiter. Alors, on se rend compte, on se dit « tu as beaucoup de projets, oui, oui ». Eh bien, si on écrivait quelque chose en commun. Et si vous voulez, le roman policier, c'est la forme idéale pour collaborer, parce que c'est une forme. Comment l'idée de Crime Chantilly vous est-elle venue? Elle m'est venue il y a très longtemps, à un moment où j'avais aucune intention d'écrire des romans policiers. On m'avait raconté une anecdote qui s'est passée dans un hôtel. Et cette histoire m'est restée. Et au moment où... il a un peu été question d'écrire un roman policier. Je me suis souvenu de cette histoire. Qu'avez-vous pris dans les lieux où se déroule Crime Chantilly, c'est-à-dire à Chantilly, dans cette auberge dont vous parlez? Oui, c'est-à-dire l'auberge, nous la connaissions donc. Et quand on a commencé à écrire le roman, ça faisait déjà un certain temps que nous n'y étions pas allés. Et je crois que c'est intéressant parce qu'on oublie certains détails et on a une vision générale que l'on peut changer, transformer. Vous savez qu'il faut beaucoup transformer. Et alors on a ajouté des éléments, on a rajouté des douves, on a ajouté des salles, et en trahissant pas, enfin c'est la mémoire qui a fait que nous avons trahi le lieu, mais c'est un facteur d'enrichissement aussi. Et les personnages qui s'y trouvent? Alors les personnages qui s'y trouvent sont du personnel importé. Ils n'existent pas, il n'y avait personne là-bas, les gens qui tiennent cet hôtel n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, donc c'est un personnel, ce sont des extras que nous avons mis dans l'hôtel. Les romans policiers s'écrivent en général assez rapidement. À la machine à écrire directement ou même au dictaphone? Comment avez-vous écrit le vôtre? Pour nous, ce n'est pas tellement le cas. On écrit au crayon. Enfin, c'est de l'artisanat. Combien de crayons pour Crime Chantilly? Ah, plus d'une douzaine. Oui. Il en reste ça. Enfin. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces crayons? Ben, je les ai jetés. Et après avoir jeté, j'ai dit, je suis stupide, j'aurais dû les garder. Dans 5 ou 6 romans, j'aurais eu un stock de crayons. Quand avez-vous commencé à écrire ce livre? Eh bien, pour Crime Chantilly, nous avons commencé un 4 avril. Et vous avez fini quand? Et nous avons fini le 2 mai, je crois. Combien d'heures par jour travaillez-vous? On travaille très régulièrement, à partir de 8 heures jusqu'à minuit. Et si l'inspiration, si la coulée est bonne, alors nous faisons des dépassements. Comment travaillez-vous? Qui commence à écrire? Bien écoutez, je crois qu'il faut un petit peu résumer, faire des points pour le travail. Le travail, ça consiste d'abord à parler, trouver l'anecdote. Bon, premier point, si vous voulez. Le deuxième point, c'est la rédaction à partir du canevas. Et là, nous travaillons vraiment, c'est la collaboration. Nous sommes vraiment tous les deux et nous mimons les personnages, nous parlons des scènes à l'avance. Et puis, nous passons un travail qui consiste à rédiger tout de suite, à nous deux, ce premier jet. Alors, au bout d'un mois, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier jet, c'est un certain nombre de feuilles. Et alors là, commence un travail très agréable, un travail de navette. C'est-à-dire que Lacombrade, par exemple, commence à taper ce brouillon, ou moi, on se repose, on change. Puis, lorsque le premier brouillon, si je puis dire, dactylographié est fait, là, nous le relisons, chacun de notre côté. Et pendant ce temps-là, l'autre s'en va ou fait autre chose. Il va voir quel sera le prochain crime, si vous voulez. Et donc on gagne du temps, parce qu'on se repose pendant 8 jours, moi je ne regarde plus le manuscrit, et Lacombrade fait les coupures, rajoute une chose, et puis me le soumet. Je recommence ce travail, je lui soumets à nouveau, et ce qui fait qu'au bout d'environ 3 semaines, le manuscrit est prêt à être tapé. Au départ, aviez-vous un plan ou pas? Oui, au départ, il y a un plan très précis. Et alors on fait une chose, on se le raconte l'un l'autre, pour vérifier si vous voulez, la lignée générale du roman. Et alors après, grande liberté avec ce plan. Ce qui s'est produit dans Crime Chantilly. Oui, absolument, parce que l'histoire était prévue sans le personnage principal qui s'est imposé par la suite. Et qui a absolument surgi de façon inattendue.
Et toute l'histoire a été vue en fonction de ce personnage-là. Et ce qui a d'ailleurs entraîné des modifications énormes et dramatiques, parce qu'il faut tout revoir depuis le début, parce que rien ne doit laisser, on ne doit rien laisser traîner dans un policier, tout doit être justifié, expliqué logiquement, si possible. Comment avez-vous trouvé votre éditeur? Eh bien, une fois le manuscrit terminé, il y a la recherche de l'éditeur. Et alors là, le hasard a voulu que j'habite à 200 mètres de chez De Noël. Alors je dis à la Combrage, je lui dis, écoute, 200 mètres, nous pouvons le faire, nous sommes fatigués, mais on peut tout de même le faire, allons chez De Noël. Et ça a été une bonne inspiration, puisque ça a été pris tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous a dit lorsque vous êtes arrivé? Eh bien, nous avons donc vu Robert Canter, ce qui a regardé avec une certaine ironie notre énorme manuscrit, et nous a de la feuilleté, vous savez, d'un geste très professionnel, et nous a dit, écoutez, avant de lire, il y a une chose que je dois tout de suite vous dire, c'est qu'il faudra dégraisser. Combien de pages y avait-il dans la première version? Alors, la première version, était, le crime choisi était énorme. C'était lorsque nous sommes allés voir Robert Canter, il nous a dit, vous m'apportez une pièce en 10 actes. Une pièce, ça fait 4 actes, et peut-être maintenant un peu moins. C'était énorme, il y avait 450 pages. Or, la collection comportant 154 pages, il faut qu'on en présente entre 180 et 190. Parce que la typographie n'étant pas la même, on réduit à 154 pages. Pour faire un bon roman policier, il faut respecter justement cette pagination. Oui. Combien donc, par conséquent? Écoutez, ça dépend des collections. Pour la collection de Noël, c'est 154 pages. Et chaque collection a sa jauge, si vous voulez. Alors, il y a une anecdote, Agatha Christie, toute sa vie, présente et a présenté des romans qui font, je crois, je n'ai plus le chiffre en mémoire, mais disons 253 pages. Et elle présente à son éditeur 253 pages d'actiographie, sachant que ça rentre dans les normes du masque. Un de vos secrets de fabrication, ne pas avoir lu les autres auteurs, ou pratiquement pas. Donc vous êtes presque parti à zéro. Oui, c'est exact. Enfin, ça s'est passé comme ça, parce qu'on n'a pas tellement lu de policiers. C'est pas que je n'aime pas ça, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Mais si vous voulez, c'est un avantage, peut-être, parce qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre. Il y a tellement de romans policiers que c'est peut-être quelque peu complexant de voir toute cette littérature qui est très abondante et très riche. Alors c'est peut-être notre innocence qui a prévalu, qu'on s'est lancé dans ce travail.